Quelques heures avant sa sortie officielle, le réalisateur et producteur autodidacte, l'artiste gabonais Frank Stéphane Dibault, alias Frank Bapunga, a tenu aux côtés de l'actrice principale de la télé-réalité de Sarangwa à décortiquer avec les hommes et femmes de médias son projet culturel intitulé « On se noue ». Intérêt, apport significatif au patrimoine culturel existant, format et mode de diffusion. Le cinéma pour moi c'est un outil que j'utilise pour répondre à un manque. Je veux montrer au monde que la culture c'est toute une vie et que par la culture nous pouvons vivre. Une transition que porte aisément Sarangwa, top modèle, qui tient en tant que jeune artiste, femme et entrepreneur le rôle de fil conducteur dans un univers qui distingue moins le vrai du paraître. Je suis fière d'être cet étendard qui va permettre d'ouvrir un peu plus les yeux aux jeunes parce que les anciens connaissent la culture, ils embrassent la culture, mais c'est notre génération, on n'en a plus en fait. On préfère s'adonner à autre chose. C'est donner le goût, comme l'un des messieurs a dit, sans être dans le dialogue proprement dit, trouver d'autres moyens de faire adhérer la jeunesse à la culture. Un message bien accueilli, notamment par les autorités publiques chargées du développement de la culture dans toute sa diversité. À travers le téléfilm, tel qu'il est présenté, on va pouvoir découvrir les métiers de la culture et montrer aux personnes qui peut-être dans leur coin ne savent pas trop comment faire. Ces explications vues à la télé, ça dépasse 1000 discours. On se noue s'invite dès le 11 juillet prochain sur vos petits écrans sous deux formats. Un épisode hebdomadaire de 26 minutes sur la chaîne nationale du Gabon et sur les réseaux sociaux dédiés.